Chers amis, bienvenue à notre moment de réflexion. Le Seigneur et moi-même, nous sommes très heureux de vous recevoir à ce moment béni. Que sa peur repose sur vous. Notre sujet du jour, quand personne ne pourra ni acheter ni vendre, nous prions. Notre Père, notre Dieu, aujourd'hui encore, tu as des choses à nous révéler. Nous avons des choses à apprendre de toi. Alors remplis-nous de sagesse, d'intelligence, afin que nous puissions nous laisser enseigner par ton esprit, afin de mieux te connaître, de t'aimer. Et de t'obéir. Nous te remercions de nous assister au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, la Bible dépeint une image douloureuse du monde d'avant la seconde venue de Jésus. Daniel parle d'une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Daniel chapitre 12, verset 1er. Compte tenu de certaines des périodes troublantes du passé, cette référence doit être à craindre. Le livre de l'Apocalypse souligne également des temps de détresse avant le retour de Jésus-Christ. Lisons Apocalypse 13, versets 11 à 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent tués et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, verset 17, et que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Amen. Maintenant trois questions nous a posées. Comment les questions financières s'intègrent-elles dans la persécution des temps de la fin Vous ne pourrez ni acheter ni vendre alors, dans quelle mesure notre vie tourne-t-elle aujourd'hui autour de l'achat et de la vente Je demande à ce que l'Esprit du Seigneur, chers amis, vous accompagne dans votre réflexion. Notre travail, chers amis, est en un sens la vente de notre temps, de nos compétences et de nos biens à ceux qui veulent les acheter. Ne pas être capable d'acheter ou de vendre quoi que ce soit signifie le fait de ne pas être capable de travailler dans la société. La pression sur ceux qui resteront fidèles sera alors énorme. De plus, plus vous avez l'argent, plus vous aurez d'intérêt dans ce monde, du moins en termes de possession matérielle. Et donc sûrement, la pression de vous conformer sera encore plus forte. Comment alors nous préparons-nous Nous nous préparons maintenant en nous assurant par la grâce de Dieu que nous ne sommes pas esclaves de notre argent des choses du monde. Si nous ne sommes pas liés à ces choses maintenant, nous ne le serons pas quand nous devons, pour être fidèles, les abandonner. Lisons Deutéronome 14, verset 22. « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu. Maintenant, deux questions nous est posées. Que devait faire le peuple de Dieu de son augmentation ou de sa production chaque année? Pourquoi Dieu leur avait-il demandé de faire cela? Là encore, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Chers amis, Dieu expliqua par l'intermédiaire de Moïse que l'une des raisons pour lesquelles il avait établi le système de la dîme c'était afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Dans le parallélisme poétique du Psaume 31 verset 19, nous voyons que la crainte est synonyme de confiance. Le Psaume 31 verset 19 déclare "Ô oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge." Ces lignes parallèles nous montre que craindre le Seigneur, c'est lui faire confiance. Par conséquent, nous pouvons penser que Dieu a établi aussi le système de la dîme pour nous protéger de l'égoïsme et pour nous encourager à lui faire confiance pour subvenir à nos besoins. Bien qu'être fidèle à la dîme ne soit pas une garantie en quoi que ce soit, la fidélité des enfants de Dieu à la fin des temps sera notre seule garantie pour nous éviter de tomber et de perdre notre salut. Chers amis, la leçon d'aujourd'hui dépeint une image douloureuse du monde d'avant la seconde venue de Jésus. Daniel parle même, je répète, d'une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, chers amis, même si la grande tribulation sera un moment de profonde angoisse et d'affliction pour le peuple de Dieu, nous devons rester fidèles car Dieu nous promet qu'il prendra soin de nous. Dans le psaume 34, verset 19, il est dit Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Dans Jean 16, verset 33, Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc, chers amis, depuis que le péché est entré dans le monde, la vie a été remplie d'épines et de charbon, d'oppression, de regrets et de chagrin. Mais nous devons avoir confiance en Dieu et aller de l'avant par la foi, chers amis, en nous fortifiant pour de plus grandes épreuves à venir. Alléluia! Une vie de dépendance et de fidélité à Dieu dans les petites épreuves quotidiennes sert de préparation à des épreuves encore plus grandes à venir. Dans le psaume 50, verset 15, il est dit. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu promet de répondre et de délivrer ses fidèles au jour d'angoisse et de tribulation. Alléluia. Le mot tribulation en hébreu, c'est le mot sarache et signifie littéralement oppression, dans le sens de problème, adversité, affliction, angoisse et détresse qui affectent les riches et les pauvres les croyants et les non-croyants. Et dans Apocalypse 3, verset 10, il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Et dans Isaïe 30, verset 20, il est dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Alléluia. Amen. En conclusion, donc, nous avons l'assurance, chers amis. Dans nos épreuves, que Dieu apporte du réconfort et des réponses à nos requêtes selon sa volonté. Alors nous devons avoir confiance en Dieu et aller de l'avant par la foi dans le nom de Jésus. Chers amis, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à demain pour la suite et la fin de notre semaine de réflexion.